Eh bien, nous avons maintenant appris à utiliser différentes techniques pour la réalisation de dessins vectoriels. Je vous propose de passer à du plus consistant et, par exemple, tenter de réaliser le dessin, un dessin, en tous les cas, du même type que celui que je vous présente là et que je viens de réaliser. Alors, je vous propose donc de le réaliser ensemble, étape par étape. Première chose peut-être qui serait à faire, en tous les cas que j'ai trouvé intéressante, c'est de créer une nouvelle couche de manière à pouvoir dessiner sous cette couche la forme générale du visage. Alors cette couche, mettons que je l'appelle visage, et vous aurez sans doute compris que j'envisagerai après de verrouiller cette couche de manière à pouvoir dessiner sans aucun problème les autres éléments du visage. Alors la forme générale du visage, je vais prendre l'outil ellipse et je vais dessiner une ellipse sur la page, relativement grande puisque ce sera la tête de notre personnage. Sur cette ellipse, je vais maintenant dessiner deux repères qui vont m'aider à construire la suite du dessin et que nous supprimerons à la fin. Alors deux repères qui sont le premier, une ligne verticale qui passe par les deux points en haut et en bas, et qui vont permettre de définir la symétrie verticale du visage. Alors pour dessiner cette ligne bien verticale, je maintiens une touche majuscule enfoncée au clavier, pendant que je tire la souris. Voilà, alors est-ce qu'elle est bien positionnée? Pas tout à fait. Alors je vais déplacer un tout petit peu l'ellipse vers la gauche. Ici j'ai maintenu une touche Alt enfoncée, et j'ai utilisé la touche flèche gauche du clavier. Alors, un autre repère maintenant que je vais dessiner sur l'ellipse, c'est une ligne horizontale au milieu du visage. Et nous verrons que nous allons positionner sur cette ligne horizontale, nous allons positionner les yeux. Ça paraît étonnant comme ça, mais c'est bien là qu'il faut positionner les yeux. Voilà, je pense que c'est relativement bon. Nous avons maintenant nos deux repères. Alors, il est possible, bien sûr, de dessiner un schtroumpf, mais ce ne sera sans doute pas ce que nous allons faire ici. Alors, on ne va pas dessiner un visage bleu, on va dessiner un visage d'une couleur chair. Alors là, je vous laisse décider quelle est la plus belle couleur de visage. Alors ici, je vais prendre une couleur claire, hein, à vous de prendre la couleur qui vous convient le mieux. Alors, pour choisir la couleur du visage, donc dans la zone, on choisit la couleur, alors soit vous prenez dans la palette qui est là, soit vous prenez éventuellement dans les couleurs récemment utilisées qui sont là, soit vous choisissez une couleur personnelle. Alors ici, imaginons que je prenne cette couleur-là, ça me convient relativement. On pourrait prendre quelque chose d'un peu plus soutenu. Voilà, on pourrait prendre ceci par exemple. Et si ça ne vous convient pas, eh bien vous pouvez encore choisir dans les couleurs personnalisées. Alors, vous avez ici un outil pour choisir la couleur qui vous plaît le mieux. Vous avez l'échantillon en bas de l'écran, en bas de la fenêtre. Voilà, je monte, je descends. Et en fonction du mélange de couleurs rouge, vert et bleu, les trois lumières que vous choisissez, eh bien vous avez une couleur plus ou moins claire. Donc si vous mettez beaucoup de lumière de chacun des types, vous avez du blanc. Si vous mettez moins de lumière, eh bien vous avez d'autres couleurs. Vous pouvez ensuite choisir les teintes comme vous voulez. Voilà, moi je vais me contenter de celle-ci pour l'instant. On verra bien après s'il faut changer. Voilà, ça c'est la couleur du visage. Et par contre, on n'a peut-être pas besoin de la ligne qui entoure le visage. Donc, je vais la supprimer. C'est pas là, c'est là qu'on supprime la ligne. Voilà, je n'ai plus de ligne. Et j'ai maintenant un visage qui est une ellipse, ce qui n'est pas très joli. Alors on va un petit peu transformer ça. Personne n'a un visage en forme d'ellipse. Alors pour cela, je vais convertir l'ellipse en courbe. Convertir, j'ai fait clic droit, convertir en courbe. Si maintenant je passe en mode point, je peux modifier les différents points. Alors par exemple, je peux modifier la forme de la mâchoire, en faisant quelque chose comme ceci. Il ne faut pas rendre le visage trop asymétrique, attention. Donc je pourrais aussi aplatir un peu la mâchoire vers le bas, voilà.
Vers le haut, je ne vais rien changer parce que de toute façon, il y aura les cheveux, donc c'est plutôt le bas du visage éventuellement que l'on peut un peu modifier pour le rendre plus humain, bien que ce soit quand même une caricature que nous allons créer. Voilà, à vous de voir, et vous pourrez encore changer après, bien sûr, la forme du visage de votre personnage. Voilà, eh bien, j'en ai fini avec le visage. Je vais maintenant pouvoir verrouiller la couche. Je modifie, je la verrouille, je valide. Et à partir de maintenant, j'ai bien mes lignes ici qui vont me servir dans la suite. Je les supprimerai à la fin, mais je ne peux plus bouger le visage. Parfait. Il n'y a plus qu'à passer à la suite dans quelques instants.